Bonjour. Je suis doctorant à l'Université de Lorraine en deuxième année et je travaille donc sur la potentialité des métaux critiques, en français stratégique, oui. Comme coproduit de la production de kaolin donc dans les Cornouailles en Angleterre. Ma thèse est financée par le projet Stoicisme, qui est un projet européen financé en partie par la Commission européenne et qui a été lancé suite à la Raw Material Initiative donc, en 2010. Différence entre métaux critiques et métaux stratégiques. Bah, c'est juste une traduction en français, on dit métaux stratégiques pour ce qui devrait être en fait des métaux critiques. Oui. Métaux critiques en anglais c'est critical raw materials. Okay. Donc ces matériaux sont appelés critiques pour deux bonnes raisons, parce qu'ils ont une très forte importance économique sur le marché, mais aussi un risque lié à l'approvisionnement très élevé. Oui. Comme par exemple les terres rares, dans mon cas le niobium, les PGM, oui. les métaux du groupe platine. Oui. Et donc c'est à cause de ces deux facteurs, la rareté, l'importance économique, oui. et le risque lié à l'approvisionnement. Ce risque, c'est pas forcément la rareté, c'est juste que les ressources sont concentrées dans un faible nombre de pays, comme par exemple les terres rares en Chine. Oui. Et les relations internationales avec ces pays peuvent être plus ou moins tendues. Oui. Et si on a un arrêt de l'approvisionnement, comme ça a été le cas il y a un certain temps avec la Chine qui a réduit ses exportations, oui. on est forcément obligé d'accepter ces augmentations des prix, ces diminutions des exportations, et on est tributaire des autres pays. Et c'est pour limiter donc cette dépendance des autres pays qu'on a voulu que la Commission a voulu financer ces projets pour essayer de retrouver des ressources sur son territoire en Europe pour, comme j'ai dit, limiter cette dépendance. Les métaux, là, vous les avez aujourd'hui, vous avez une classification qui est opérée ou elle est toujours en continu ou elle est arrêtée? Depuis l'établissement de la liste en juin 2010, oui. il y avait à l'époque 14 matériaux critiques. Il y a eu une évolution, donc cette année, donc pour 2014, la Commission a publié un nouveau rapport où désormais il y a 20 matériaux critiques, parce que c'est pas forcément des métaux, hein, quand dans la classification sont pris en compte, par exemple le bois, les charbons, les matières plastiques. Donc si elles ne sont pas encore considérées comme des métaux critiques, elles ont été évaluées pour voir si elles peuvent être considérées en tant que telles. Est-ce qu'il y a une dimension écologique au sens de la protection? Bien sûr. De ces matériaux, pour que demain on ne se retrouve pas, un peu comme avec les éléphants, avec une raréfaction qui aura des effets néfastes sur l'écosystème. Bien sûr, il faut savoir que ces matériaux critiques sont aussi critiques parce qu'ils ont un très faible taux de recyclage. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas les récupérer entièrement par recyclage.